bandeko ba congolais ba congolaise naza awa pona koloba na bino solution asika pona kobenga Congo Kinshasa 5 euros pona 34 minutes et envers le Zaïre vous avez une carte prépayée il y a 5 euros 10 euros disponible et pas un abisso 84 rue du Poteau na porte de Clignancourt ou et pas distributeur Bissousou Cananexo na Château Rouge 42 rue du Deauville. Pour la boye au Balingi, comme distributeur pour la Bisso, vous contactez Bisso sur le site internet www.nosim.fr ou encore 01 76 46 03 82. Merci Bandeko, Tozo de Labino. Donc, solution à Nosim Yangoyo, 5 euros au Bengi Congo Nengo Lingi. Pour la Nosim, tout le monde est d'accord. Brazza Paris Info en partenariat avec RD Congo Info. Tout le monde est d'accord, mais alors d'accord. Du premier citoyen congolais au dernier citoyen, tout le monde est d'accord. Donc, Lelo Boye, tous une émission spéciale pour nous reloba Makambo Oyoboye. Les Congolais, il y a RD, c'est-à-dire les Congolais démocratiques, les Mast, les Kinois, qui sont expulsés dans Congo Brazzaville dans l'opération Mbate à Mokolo. Micro de M. Tambouana à Paris, Mototo a passé à Vinae pour et contre, avec l'espoir que Baroya Mbabissou n'a mis Konza Mboka. L'ambassade, chargé de la communication de l'ambassade, Troubengaye, pour expliquer la version officielle de cette opération. Donc, le Loboué, invité à Liboso Toyambi, M. Philippe Ngoingala, l'académicien, donc académicien, représente Vinaye par rapport à l'opération, s'il est pour ou contre. Bonjour, M. Ngoingala, l'académicien. Bonjour, Mobibisi, bonjour, Paris, Brazza Paris Info, donc, na Sepelinde, Boyamingaye, mais moi, rectification, comment la Kangalangoy. Donc, Yangona. Nembo ya minga wa boyebi Brazza Paris Info eza media moko penza tozo sipela nango parce que zo pesa penza parole na bato nyoso moto ya lingi koloba na Brazza Paris Info akota penza masolo a vitesse de croisière donc masolo oyo tozo lobela lelo etangi opération babengi bata ya bankolo bata bankolo eza nini donc eza pona koloba nango en français opération de police. Opération de police veut dire que les autres luka batouana bazo sala penza mobulu na kati ya mboka. Mais est-ce que penza batou bazo sala mobulu eta nkaka ba kinois na yebi yango te parce que ba expulser ba kinois raison nango eza veut dire que bazo sala mobulu na kati ya mboka. Ce qui est opération de police ba mibe ko ezali. Alors ba détail pe ya ba loi o yezo tangisa ba deli ezali so ki batouana bazo na kati yango et so ki la kisi ke baza ba kinois. Faut pas que ça bango na opération il y a justice police c'est kangi bango ba juger mais est-ce que directement baza expulsable ce qui baza expulsable veut dire que baza na mikandate mais dans quelles conditions makamango pezo salama yangwana ngana yoka ke zo salama mabe na yoka ki penza zo salama mabe mais c'est dommage que bango baza bande ko na biso to expulser bango na mabene wana il y a 20 ans hein mikolo na zo travailler sur la violence identitaire il y a 20 ans awa bande konabiso na Rwanda ba panzana ki hein ba betana ki ba machette 2 ans après bande ko ba Rwanda li susu na kati ya territoire ya RD Congo ba panzana ki susu e banaki ba tutsi ba bomaki bango alors sikoyo ba hutu ba bomaki bango makanisi wana makambwana penza ifo ete akabiso toza bato ba mutu bazwaka ineti nyamate kutu nyamatangu mususu banya utukaresa bango tozwaka bango tusemela ba kroketa na poto to ebindenge zalaka alors po nini ba diko na biso bato tozosala bango donc penza na ndenge moko penza ya somo tumona ba image ya bani mususu ya operation oyo ezo likate et yo ki sa bena somo basi bazo traiter bango donc na ndenge moko penza donc komo nango za kututi poka kabaza basi ya bakinoise. Alors donc na sengi kaka na bas autorité na batunyo so bazola na makambwana ba ba iba quand même notion ya dignité humaine parce que baza bande ko na biso baza kutu ba proche to ba ndinga moko to ba ka makambu moko donc tuza mutu moko to sa langue attention to respecter ba loi congolaise na ibi que ba autorité congolaise bazo faire voter ba loi moko penza ya propre ils ont respecté dignité donc ba landa ngo na nzela penza ya propre so kité to ko landa bango baza ba rien faut que lobela na assure. Ben écoute, monsieur l'académicien Philippe Ngoingala a passé réponse naé donc voilà mais dans la question que tu as eu comme on s'engage à elle reconnu à wana poto mokili tout est bien haut par rapport à opération wana kuna ça devait relever de la police ou de la préfecture donc l'ikambwana est opération y a police
préfecture et les institutions mokobonaibi que na Congo na bazan ba préfecture, préfecture et institution administrative, mais les opérations moko ya justice, donc bras de la justice, bras armé à justice, ou les opinza ko faire respecter mibe ko za police, les opérations à police, donc nazo assure que police nde motozo landisa yango, ezo landela yango po ba arrêter ba twana bazo sala mobulu et na katina insister kaka to landa bandeko kinwa kakate. Parce qu'ils appellent naba Brazzavillois, ils appellent naba Ouest Africain, ils appellent naba Libanais, bazo salama bulukuna. Donc penza bataille abakolo, ils appellent penza bataille abakolo, ya batunyosu. Et bête penza batunyosu, ba kinoa gagate, ils l'opération ciblée. Donc ceux qui étaient vous allez moins opération moins discriminante et vous allez moins trop. Mais si vous n'êtes pas bataille, on est bandit naba kinoa. Si vous n'êtes pas bataille, comme appellent naba Ouara, tiens les capes naba Libanais ainsi de suite. Mais biso tozo yoka wake o wara soko betiye ou bien soko zui moi problème nae ako bengelo général. Alors quel général pe? Alors yoza général bala sa penza galant ya république. Hein? Est-ce que yo mutwazo benga yo tango ye wana? Mais il faut quand même o ibani nezo leka. Au lieu que ndenge tozo yoka na ebite soko za penza bongo. Mais soko za bongo za penza mawa mingi. Ndenge tozo yoka que général soko colonel soko nani aye. Alors, a molesté directement Congolais parce que kaka, Congolais wana, a lobela ki waramabe, to Libanais to nani. Est-ce que toza penza ba Congolais na katia Congo ou bien toza penza ba paria ba za patrie na katia Congo na biso? Eza ndenge nini? Est-ce que yo soko beti français ba obengelombi la français beta yo? Ba ko luka nani ba yeba? Nini leki? Ozo comprendre? Donc yango wana makambo wana si la soki za penza ndenge wana ba autorité na biso basala tout ba komisa makambo ngo bien. Braza Paris Info en partenariat avec RD Congo Info, Sulutani Suleiman, mokonzi ya batoto 78, yoki l'académicien ngoingala, mwana mayele mutazolo ba awa aweza makambo bwanya pe mayele. Mais un mot de la fin monsieur Ngalangoi, opesa peuple kinwa le ba pena ba autorité ya Congo avi nayo na opération oyo, mot de la fin nayo s'il vous plaît. Avis nanga et vous allez avis moko nuancé. Naza vraiment désolé parce que naebi ba circonstance ya makambango ndenge l'équité. Mais ceux qui za penza net nazo yo kelango nazo singa ba ndeko na biso ba Brazzavillois ba yo kela ba ndeko na biso ba kinwa motema ma likunyate so peninité parce que ndenge to yo kaka bazo ba baza ba ndeko na biso. Mais oui, ceux qui penza alors mutwayibi Mutua salio se pendeni ba makambo ba kuluna wana d'accord okoko lobana yo okoko tale motema mabe mais to généraliser té parce que mutaza kinwa o directement o monae kaza moyibi kaza muto ya ndenge nini té ezakati wana eza penza na ndenge tozo prôner humanisme eza ndenge wana té donc penza bosangani boyokani netika katomesana kozala donc penza kimye ezonga yango na sengi biso. Donc c'était le mot de la fin, Braza Paris Info, tout le monde est d'accord. Dans le cadre de notre micro-trottoir sur la région parisienne, toujours dans le cadre à opération et à Mbate, à Mokolo, à Bengisi, à Ndekonabiso, à Congo démocratique, à Brazzaville. Tout le monde est à Congo Brazzaville, il faut appeler ça à Vinaye par rapport à opération en Arnaud. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Aristide. Donc je me présente, je suis Inès Boumiango, étudiant en droit des affaires à Paris 13. J'ai aussi appris cette information par les médias, comme tout le monde d'ailleurs. Je voudrais aussi en premier lieu condamner avec fermeté la forme de l'opération, parce que la forme n'était pas vraiment ça. Je condamne vraiment sans condition cette façon de expulser les gens, parce que si ces gens-là étaient reconnus comme étant habitants au pays, dans notre pays, c'est-à-dire irrégulièrement, il y avait une procédure à suivre, il fallait respecter cette procédure. Mais après, au-delà du fait que la forme n'a pas été respectée, il y a aussi ce côté, je dirais, souveraineté. Donc en ce qui concerne la souveraineté du pays, on ne peut pas aussi accepter que les gens viennent rester dans notre pays et foutre le bordel, c'est-à-dire poser des actes qui sont contraires à ce que dispose la législation congolaise. Mais ce qui était d'abord important, il a fallu que les autorités congolaises puissent procéder, respecter un certain nombre de procédures. Par exemple, on a pas mal de conventions qui nous donnent la possibilité, qui nous donnent des moyens comment expulser quelqu'un. On a signé pas mal de conventions. On a des conventions avec la RDC, on a des conventions relatives aux droits de l'homme
internationale des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a la Charte des Nations Unies relative aussi aux droits de l'homme. Il faut respecter ces textes. Parce que ce sont ces textes qui donnent la valeur, qui donnent une valeur vraiment ajoutée à notre pays au niveau, sur le plan international. Et vu ce qui s'est passé, moi, en tant qu'étudiant congolais, je ne peux condamner avec fermeté. Donc, je dis qu'il ne faudrait, faudrait pas que cela puisse se répéter. Cela puisse se répéter parce que même hier, j'ai encore appris que non, l'opération a été suspendue. Mais ce que nous demandons aux autorités congolaises, de Brazzaville, bien sûr, parce qu'il s'agit là de deux Congo, il faudrait préciser, c'est de ne pas seulement suspendre l'opération, mais de trouver une voie pour mettre fin à ces genres d'expulsions, pour honorer notre pays. La RDC, c'est un pays frère. Bien qu'on ne peut pas monnayer la souveraineté du pays parce que pour des sentiments, mais il faut respecter les procédures si on veut se faire donner la valeur sur le plan international. Mais ces Kouloulala, d'après les informations, ils sont pourchassés à Kinshasa, ils sont pourchassés, ils sont châtiés, ils sont même bannis. Ils viennent chez nous faire la même chose. Donc la préfecture de Brazzaville et la police, ils ont raison, oui ou non? Sur le fond, je parle du fond, tout à l'heure vous avez parlé de la forme, sur le fond. Oui, bon, vous parlez là sur du fond, je pense qu'il ne peut pas y avoir fond sans forme, les deux vont toujours de pair. Le problème ici, à mon niveau, en ce qui me concerne, je ne peux pas d'abord qualifier tous ceux qui ont été expulsés de Kuluna. Parce que je pense que celui qui est bien placé, mieux placé même, pour donner cette qualificatif, c'est la justice. Or, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun citoyen de la RDC vivant au Congo qui a été arrêté et considéré comme Kuluna, c'est-à-dire condamné par la justice pour ses pratiques à Kuluna, entre parenthèses. Donc, on ne peut pas les considérer comme des Kuluna parce qu'il n'y a aucune condamnation et nous poussons à dire cela. Donc, pour moi, c'est des citoyens qui, s'ils sont considérés comme des Kuluna, ils seront sanctionnés par la loi. Donc, la justice ferait son travail. Mais depuis tant que la justice n'a pas fait son travail, on ne peut pas les considérer comme Kuluna. Voilà ce que et je veux dire. Comment est-ce que vous qualifiez cette opération, vous qui êtes juriste? L'opération, je pense que, à en croire ce que j'ai lu sur le site EU d'Afrique, l'opération, c'est d'abord une opération qui a été vraiment un objectif vraiment bien précis, mais la forme, parce que tout à l'heure, vous avez voulu que je parle seulement du fond, vous voyez que non, on ne peut pas parler du fond sans pourtant tenir compte de la forme. C'est la forme qui est condamnable ici, parce que parmi les critères retenus pour l'expulsion de ces ressortissants de la RDC, on a parlé de l'irrégularité, on a parlé de ces pratiques. L'irrégularité, c'est plus facile à déterminer. Il suffit de demander à la personne, vous n'avez pas de papier, la personne vous dira oui ou non. Si elle en a, elle va vous présenter des papiers. Mais si elle n'en a pas, elle n'en aura pas. Donc du coup, il y a la procédure aussi à suivre. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de papier, vous l'embarquez, vous le mettez dans le bateau et vous la demandez de rentrer le plus rapidement possible chez elle. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut respecter des procédures. S'ils sont Kuluna, prenez, il y a la justice. Au contraire, on a même une collaboration entre les deux polices. Parce que je m'en souviens, lors d'une apparition télévisuelle du général Jean-François Ndengue, en collaboration avec le général de la police de la RDC, que j'ai oublié le nom, il y avait un accord dans ce sens. C'est-à-dire que les bandits qui foutent le bordel en RDC et cherchent Brazzaville comme lieu de refuge, ont été, une fois qu'ils étaient arrêtés, ont été livrés aux opérations. Mais pourquoi ne pas procéder par cette méthode au lieu de prendre tout le monde, les enfants, les femmes, et les mettre dans le bateau en disant qu'ils sont considérés comme Kuluna. Voilà, donc pour moi, l'opération a manqué vraiment de forme, quoi. Mais d'accord, mais vous qui êtes juriste, j'insiste Inès, cette opération relève de la justice ou de la préfecture de Brazzaville? D'abord, je pense que la justice est là pour juger, mais la direction de police de Brazzaville fait partie partie intégrante du ministère de l'Intérieur. Donc, à ma connaissance, même si les autorités congolaises de Brazzaville ne veulent pas communiquer là-dessus, je pense que ils ont reçu, c'est ce que je suppose, ils ont reçu là des recommandations, des directives émanant du ministère
ministère de l'Intérieur de notre pays, comme quoi il faudrait procéder à telle opération. Et là, la direction de la police nationale prend l'initiative, il fait mot, il demande à ses collaborateurs, donc à ceux qui sont au-dessus de lui, de procéder à l'exécution de l'opération. Donc pour moi, je dis que si c'est la préfecture qui a décidé, c'est dans la norme des choses. D'accord, mais un petit mot de la fin pour nos amis de la RDC et nos frères qui sont restés à Brazzaville. Bon, pour nos amis de la RDC, moi ce que je vais leur demander, c'est quoi? On est amis parce qu'il y a l'ambiance, parce qu'il y a la paix, mais on ne peut pas être amis s'il y a le désordre. Par là, je vais dire quoi? Que s'il y a des Congolais, nos amis de la RDC, qui veulent venir au Congo, qu'ils s'arrangent à être en règle pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que ce qui est arrivé, c'est parce qu'il y a confusion. Parce que parmi ceux qui sont en ordre, il y a ceux qui ne sont pas en ordre. Du coup, quand la police, connaissant comment la police opère, que ce soit en RDC comme chez nous, souvent dans ces genres d'opérations, il y a des bavures. Il y a des bavures. Ce n'est pas parce que c'est arrivé à Brazzaville, que je condamne bien sûr, que non, cela ne pourrait jamais arriver en RDC. C'est-à-dire que, mais on doit le condamner. On doit le condamner. Bon, en ce qui concerne les Congolais de Brazzaville, moi je leur demande d'être bien, bien, c'est-à-dire de se comporter comme d'habitude avec nos amis de la RDC. Mais non, de dénoncer, hein, il faut le dire, parce que moi je suis juriste, je tape souvent sur la table en ce qui concerne la souveraineté. On ne doit pas accepter que les étrangers viennent vivre irrégulièrement dans notre pays et faire la pagaille. Donc, ceux qui font la pagaille, moi j'appelle les Congolais de les dénoncer pour que la situation soit, comme on appelle, régler avec précision. Parce que quand les gens ne sont pas dénoncés, et vous ramassez et les enfants et les femmes, là ça crée la confusion et ça nous emmène dans la situation actuelle. C'était le mot de la fin. Brazza Paris Info, RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Brazza Paris Info, donc toujours dans le micro trottoir Nabisso, opération Mbata Mokolo, Toyambi Mwasi Mongo, Aropé Savine. Neba Bengisi Bandeko, Nakishasa, est ça bien ou pas? Ça dépend pourquoi Babengisi Bango. Donc, ça dépend de Saline. Il faut que nous pourquoi. Mais il y a un peu de temps pour que la pagaille soit en Mboka Brazzaville. Est-ce que la police est en Mboka Bango? Est-ce bien ou mabé? Ah, oui, c'est bien parce que ceux qui sont en Mboka Bango, nous d'accord. Nous sommes d'accord. Ceux qui sont en Mboka Bango, ceux qui sont en Mboka Bango, bien, nous sommes d'accord. Mais ceux qui sont en Mboka Bango, c'est normal, nous sommes en Bango. D'accord, mais est-ce que vous pouvez un message nini pour nous dire qu'il y a un Brazzaville? Mais un message na opesa parce mboka ozana loate za mboka te mboka nyoso za kana balwa biso tango te kana poto so ozana mukanda te okendo yibate tango kozwa très fort futa tiki mais yo tango zo kendo zo très ozana tiki te police so ka kangiyo contrôleur so ka kangiyo bakozong sa yo donc tango zo uta kino zo yana Brazzaville poza la correct oluki mwa musala na yo bezo te kana yo mais tango bandi ko sala makambo akuluna na Brazzaville makambo akuluna ezala kite. Si vous avez une chaînette, vous avez or babendi. Tant que vous avez ça, vous avez une chaînette. Donc, voilà. D'accord, mais vraiment, merci de commencer à nous passer sa vie. Comment est-ce que vous avez? Comment est-ce que vous Michel? Merci, maman Michel. Merci à toi. Peu rien. Merci. Bon, mais vraiment, on vous remercie toujours. Quand vous avez temps ce micro, vous avez à Paris, vous avez vu, vous avez vu, vous avez Paris, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu, vous. Donc toujours quand on a un cadre micro-trotteur en Abisso, on a à Paris, donc plus précisément dans le 10e. Donc on a des commandes au PSA Abisso à Vinaye pour les Cambotel et l'opération à Mbate à Mokolo. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment on a Je m'appelle Noël. Comment on a Noël? Et toi, toutes nos questions pour l'opération à Bengisi Bakoulou na Congo Brazzaville. À Vino et Zanine. Bon, mais à Vinanga, bon, et Zanine, en gros, Batoba Zouango n'a pas été Mabete. Bon, Ezali, gouvernement a décidé que bah ça la moi rafle moko boye pour na insécurité comme qui moi makasi na mboka Congo, mais bah tout bas on a cadre ma bête Ezali te que bah congolais à Brazza balingi bah ndeko na biso bakinwa te toute façon c'est que sur tozali kaka peuple moko. Bon, wana ezali bon ba makamu moko ezali que bato bazwango pesa na ndenge mabete ezana ngo opération moko esalami nango vite fait et tout ça là. Bon, mutunyo so alingi que a s'installer na mboka Brazzaville. Ezali na je pense
titre de séjour moko bazo zwakuna ya 6 mois renouvelable tous les 6 mois yo sikoyo tango ba pesio yango ofandi na yo kimia ozo vaké na ba occupation na yo ozo sala ba makambo na yo ba affaire na yo ndenge na ndenge sengeli tango titre wana aussi là aux alliés obligés au kende au renouveler ndenge za la kaka ba côté ami qui est ils ont la rendez-vous. Moto a un titre de séjour il y a une année. Tant qu'ils aussi là, faut renouveler. Ceux qui a renouvelé, ceux qui ont coûté une année là, bah refoulé na nambo kanae. Donc na sengi na bande konanga ya Congo Kinshasa. Bah mon ango ma bété. Ils ont ango kaka moi opération moko boye. Donc tozali mboka moko kaka tozali ba frère. To bomanate ba mona ngona mabete quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire. Écoute, merci. Maintenant le mot de la fin au Kopesana diaspora congolaise ya Brazzaville ou bana Paris awabwe na ba diaspora congolaise ya Congo démocratique parce que to une tension linge banda a vu nos animes. Oh mais bon, na sengi na bandeko ya Congo Brazza na bandeko ya Congo Kinshasa o bazali résident awa na France. Boyokani hein toyokana na biso waneza makambo eleki na mboka on n'est pas vraiment très au courant de ce qui a causé cela mais tozala na biso kaka ndenge tozala na biso kaka quoi comme d'habitude quoi voilà quoi donc c'est ce que j'avais à dire aux compatriotes congolais RDC et congolais de Brazzaville merci beaucoup. Ben, c'était le mot de la fin. Brazza Paris Info, RD Congo Info. Tout le monde est d'accord, sans exception. Alors, on a ça Paris, Tozo Luka, ma vie à Moutonioso. Merci. Toujours quand on a un micro-trotteur, on a mis son à Paris pour nous recevoir la vie à ma Congolais tout. Oyo Bouyavan, on a un poto. Tukutu Kutana Serge Caché, Moutonen, on a la diaspora congolaise. Congolais, toi, on a un poto à Ebi. Après, c'est venu par rapport à l'opération Oyo, Babengani, Babengani, Bakuluna, na Congo Brazzaville. Bonjour, monsieur Serge. Ah bonjour mon bébé ici. Ah yo Luki penza ba problème, o za ba solution bozo Luka. Mais pona ngai na zolo bana uchi ba kayu na yi na kuteni mon bébé ici. Moto penza zo kunzo la ba minute za yende. Mais siko wa ko demander avis à tout un chacun. Maintenant ko bisa bino ka bana Brazza. Ba mikonzi ya Brazza ba doze na ni masolo ango. Bo doze ango quand même bo sala ngona ndenge ya na featuring moko ya bien. Pote parce que bo éviter liaison ni électoral entre biso na bango awa. Tous ideka donc ba toko ide ba ninga na baninga mais mingi na kanisi ba o ba ko benga ba kulu na bazaba kinote parce que un vrai kino ne peut pas vivre à Brazzaville dans la logique des choses mais ezaba bato ba uta malueka ngambu 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 bazwa ko salir ba kino na kin to yebi bango wana ba mbokatie mais si azamo bulu papa ndenge nous te donnons le pouvoir hein sala mosala na yo ndenge bato ba yoka awa yo mema kimia o mema paix continuer ko sala mosala mais bo essayer ko trier. Parce que si vous bandit que non tout qui noie vous confond de bango bando tina bango ils a bienté et a bienté motoloko la nga Serge Caché na hier na poto na sala 4 ans ambassade na bango na soman lupango na mboka na bango na kote sa famille na nga mobima na mbongo na bango donc to solo là mais ils aura toujours na ba contretemps donc na zo demander kimia ezala bino bana congolais bino ba population nenge botelemi botelema pe na ba makambo susu e na makambo ebele o botelema ndenge na kanisi shock ango et tout mango e uti ya ba pauvre et matisi comme ikonzi ba yoki parce que on va jamais me dire ba koyebi sanga te ke non ba kulu na wana ba kota na ndaka mikonzi jamais ba koti kaka kati ndinga na biso ba pauvre siko bino ba pauvre botindiki makambo ango ale papa éducation tanga yoki asali musalane ezala makambo ebele bino pofo botelema la pona mokonzi amboka pa yoka mais ndenge bo bandi bo c'est du bon c'est à lui papa ndenge menon de hein akata quoi ndenge to yoki opération ango ekitoko mais ame mango na ndenga logique quoi to lingite zalazala tete non mais pas une opération ango to mika ba kinosko ba wara o pe ba sala ba je ba fo ba lar ba camerounais ba nini moi ne m'en fais pas une bataille wana mais oyebi ba warana ba camerounais là ils sont en collaboration avec les policiers là c'est les mêmes policiers ba koma ko zwa deux bomi trois momi na ba lar wana donc bango moko ba koma pe éclairer ni bango ba to erose o ba osa ba faux bijan ba kata bango ba vider bango moto ba obebi samboka c'est les mêmes ngana ko tanga ba komboté mais e ko koma na mikolo na bando tanga ba komo na bango parce que nazana bino à l'œil nazana bino à l'œil mais au lebo ka voilà c'est za makamba bongo bakanga bato bazo ke no sala ba faux billet wana bakanga bango ke bakanga ba petit courageux ou bien banini non eza système agréco donc nazoyeb sabino papa ndenge eza na makambo mosusu oyo ko telemela pe makasi ndenge telemi
des fausseurs de monnaie là. C'est des gens à refouler, bah ouara, oh bah ça là, bah faux bizetti, na bino bokoma na ba pouvoir, bah koma na bino mi konzi na biso ba bomba na sima, pour na assez que botia bango poids, bah ça la makamo na banga mabé. Allez maintenant, bon il comme na makamo ka moko ya mukie, oh yo pauvre na pauvre bazo bunda, allez bino pour na bo laxa na ba pauvre na ke bozali ya bango, bo mitelemi, oh non, on va refouler tous les quinois. Laissez ça, je vous demande de laisser ça. Bino population na zo senga na bino. Biso tozali awa. Moi, quand je chuchote. Na moi na kanani na tena bandi esprit ya ko chuchoter. Maintenant ko loba na bino bino population na biso. Et ana makambo belé boko telema. Oh papa mokonzi ayoka. Ezali te makama mikie bosa lokola ko telema après papa ndenge éducation a zui solution bo monique souyé ala makambo belé. Biso pe to lembi ba tozala ba punda na bino. To lembi tozala ba punda na bino. Bon Luka, bon Telema, ma camboise belle à côté de ma bobimi, bon signant au Telemi, papa y est mon yoki en moi, lobby, ah, population lobby, à tosipe. Donc, Ani, ma camarade, n'a pas ça, comme ça, mon bébis. Serge cachet, tout se pèle à trop mot de la fin, au coupé, ça va moi, l'Ilobani, ma master, qui nous en a ma master, ou tout aux Arabes, on a diaspora. Bon, Nana, coupé, ça l'Iloba Moko, n'a pas master, n'a pas diaspora, ou habitant à Katia Mouk. Poto oyo poto exam système ko jou ya ko tambola na 4 crampons ko yoka yoka exam abé to za la randenge to za la bo bandeko si o moni bien to balana to botana to salandok to za ba fusion donc makamboze belé na ko demander na bino bo za la kimia si o ana ndeko za na mboka na Brazzaville a ko zela soit voyage na ye parce que nga na yebi que un vrai quinois ne peut pas venir s'installer à Brazzaville, c'est impossible. Mais au yon de go air moga katisan de konen à niveau à kin kuna pona ke nozela mo voyage ben gae lobane écarté na katia masolo an avant na coin biso pe bande kona biso oyo bazali awa botu ko memelango na ndenge moko de non to zala ka ke longo to sambe la nzambe a me makimia na kati nango soki papa éducation pe akokoti sa moi logique ne na kati to na confiance en lui to yo ka papa ndenge mosala sala ka kimia tous les ba parisiens ba diaspora ba kitana mboka en tout cas ba lobaka vraiment tata wana zo sala musala to ko pese bonne chance a trier ma solo ango bien. Vraiment, quand nous avons un peu. Donc, c'était le mot de la fin. Brazza Paris Info net aux Oloba. Tout le monde est d'accord. Brazza Paris Info est commis. Passage obligé. Donc, prêtre tout à Congo, Brazzaville, ce que les gens ont fait, ils ont fait. Donc, Serge Caché, donc, tout le monde est d'accord. Oui, tout le monde est d'accord parce que nous avons un bébé ici. O tie libaye ya tie libende mon bébé ici nga na solo bana bino nga moko Serge Caché la voix le plus écoutée de la diaspora congolaise. Quand je chuchote c'est pas exact bato oyo o mani bino tango boya ka mikilia hein na boy ko tanga ba kombo boy na mikili bwana moi cercle moko boy et zubine le tango bolobi on a besoin de ça allez bato na ba ken na cercle ba kosa rabino il ne rentre pas mais lui il rentre parce qu'il y a des radicaux ici bino boy ba raté. Aïe, même une information, le kouta ou yom au konzionzimi, on lui dit oui, voilà mon petit à travailler, vous ment, c'est moi qui vous dis. Parce que dans le rotan, il y a un radicaux, il y a un rebelle, même le président, il y a un bangote. Il y a un bangote, les gens qui sont tout autour de vous là, il y a un tel, moi j'étais là-bas, oh, il n'y a rien de bon là-bas, c'est du mensonge. Parce que dans le rotan, il y a un bangote, 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 il y a un bangote. Il y a mon bébé, il y a un caché. Pour Lélo, tu as l'idéologie à le général Jean-François Ndenge. Wana Masolo Moussouto Solasima. D'accord. Tobi Ozar, tu es disponible. On vous remercie, chers internautes. Ngai dia Congo, comment on a dit 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 dia Congo, comment on a. On est même peuple. Mais quand on a un contrôle, c'est vrai qu'il ne peut pas avoir des délinquants. Bah, délinquants, mais une police, quand tu fais une opération, il faut regarder bien les enquêtes préalables pour cibler ceux qui font les fautifs. Mais ce n'est pas faire l'amalgame pour mélanger Batou. Makamwana, ce n'est pas bon. Batika Makamwana, nous, moi, je suis Congo. Moi, c'est Nanga, na Congo démocratique. Je viens de la doter dernièrement, j'étais à Kinshasa. Donc, Batika Makamwana, au Kabouana. Moi, je m'appelle Godidia Congo. Je n'ai pas tata, c'est Mongimbangu. Tata, Gimbangu, quand on a un mboka, on a posé un somme sur Kimia. Et il y a le Baka, Bakoumi Sato, Congo. Angola, Congo Brazzaville, au Congo français, Congo belge, Congo RDC, Bosa Batomoko, papa Simon Mongonga Zawana Zali, ma colonnaise na l'autre na Angola, na Congo Brazzaville, et Bandela Makambu, Moto, Ezana Kacha Angola, les Boumonaise à la RDC, d'autres abonnés Colomogo, Batika Makamwa, Malgamwana, ceux qui police à voir ça, soit à l'ingot de bateau, bah c'est mon boulot, c'est normal, hors de Fouezala, Kimiezala, mais ils doivent mener des enquêtes et puis cibler des délinquants, et non faire l'amalgame comme ça, Batouakoufi. C'est pas bon!
c'est pas bien batika bakamba ngai godi dia Congo na lobby awa na kacha Paris na samwa taki mangu na ki mangiza ngi na imba na guitariste na uti nkamba dernier mois na bali mbala mosi na ngana na kazavubu kaka wana na sayo wana là je parle en Cambo en août pour le mariage religieux avec ma femme est RDC donc ngana na tutera makamba na te pas seulement moi bimelanga na Paris na 99 ben wakubo godi dia Congo kimia kimia to ni kimia batika buru wana voilà to solo. Merci de m'accorder le micro. Je suis Titon Alezo Maembo. J'ai appris qu'on est en train d'expulser les Zaïrois au Congo. Mais moi, je pense qu'il y a deux phases. Il y a un côté où c'est bien pour la sécurité du pays. S'ils font du n'importe quoi dans notre pays, par exemple, là où nous, c'est un pays où les gens ils veulent avoir la paix, ils ont la paix au préalable toujours, il y a la paix à Brazzaville, et que les Zaïrois viennent faire du n'importe quoi, c'est anormal. Mais je ne pense pas que c'est une bonne initiative de les chasser. Parce que ce n'est pas tous les Zaïrois qui font de la pagaille à Brazzaville. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas mélanger les choses. Il faudrait qu'on puisse dissocier les Zaïrois qui font la pagaille et les Zaïrois qui ne font pas la pagaille. Mais moi, je trouverais de mon côté, ce n'est pas une bonne solution. Il faudrait qu'on trouve les bonnes solutions. Ou bien, il faudrait qu'on puisse leur demander d'avoir des pièces d'identité, de les régulariser, de les insérer dans la société congolaise, de les éduquer. Parce qu'on ne peut pas tout de suite se lever voilà, en but en blanc comme un cheveu qui vient dans une soupe. Bon voilà, on chasse les Zaïrois. Parce que le Congo, Brazzaville et Congo du Zaïre, c'est la même personne. On est issus de même père et de même mère. Alors moi, ça me fait très mal qu'on puisse les prendre comme les attacher, soit dans un carcan ou bien les envoyer sur Kinshasa. C'est pas bien. Moi, j'aimerais qu'on puisse trouver des solutions à ce propos-là. Je vous remercie, monsieur. Ah, vraiment, attaquer Brazzaville, né à Mongali, grandi à Mongali, poto. Donc, je ne suis pas vraiment content, quoi. Les Kani, Congo, Brazza, Kinshasa, Mbokamoko. Mais comment on va Ninga ou Baranangam ou Djong Sabango. Donc pour moi, tant que Brazzaville, donc on a vraiment content. Attaque aux Zana et Kacher. Donc on a CPT. Donc voilà, c'est tout. Bonjour, je suis Jean-Blaise Makonga, de son pseudonyme Viking de la SAP. Je fais la SAP engagée en plein Paris. J'ai reçu donc mes amis, mes collaborateurs, sinon encore mes compatriotes en plein Paris, qui me pose une question cruciale. Si j'étais pour l'expulsion de mes frères congolais du RDC à Brazzaville, ça je trouve que c'est pas normal. Pour tout commencer, le monde, ce qu'on appelle le monde, on appelait ça la pongée. La pongée, c'était quoi? C'était le monde uni. C'est par des mesures de glaciation, sinon des phénomènes géophysiques, qu'il y a eu l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. Et aujourd'hui, me dire que non, mes frères du Congo, RDC, sont expulsés pour une raison que peut-être que je ne connais pas, que mes frères vont peut-être même bien m'expliquer. Je ne suis pas pour. Bonsoir. Trey, bon ben, sportif en France. J'ai accepté de prendre le micro suite à ce que nous avons appris ici, notamment le gros incident qu'il y a eu à Brazzaville. Mais bon, on ne fait que constater, je suis déçu de tout ça. Et moi, dans ma tête, je me suis toujours dit, et j'ai toujours, je sais que c'est vrai d'ailleurs, qu'on est des frères et que je pense qu'entre frères, on peut régler les situations autrement, hein, et on n'a pas besoin de sombrer dans la violence. Déjà, notre pays a déjà sombré dans la violence, ça suffit. Et faire ça à d'autres frères, c'est pas du tout bien. Je ne sais pas sur la base de quoi les autorités ont donc décidé de rapatrier les autres. Moi, je ne suis pas là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. Mais néanmoins, j'aurais voulu, je pense que les choses devaient se faire dans le respect des droits. C'est des humains, c'est pas des moutons. Même un mouton, pour le manger à la bonne année, il faut d'abord s'en occuper. Et ce qui s'est passé là, c'est vraiment déplorable. Nous, ici en France, on a des très très bonnes relations avec ces gens-là. Ils nous aident dans plein de trucs. Et moi, aujourd'hui, je suis prof d'un club de free fight. On a comme parrain un quinois, notamment Papi Makambo. Et
quand on apprend ce genre de choses, ça fait pitié. On se dit que ceux qui sont restés de l'autre côté sont encore, voient encore une vision pas claire de la situation. Hein, c'est pas bien. C'est tout ce que je peux dire, c'est pas bien. Il y a plusieurs façons de pouvoir régler les histoires. Et quand on veut faire ce genre d'opération... Bref, je m'arrête là parce que bon, mais c'est triste d'apprendre ce genre de choses. Merci. Bonsoir, bon, Mbote Nabino, Nazo, le Basiko Nalinga, là, pour au moins le Kamangoto, le Kango et les Canadiens, moi, bien. Bon, mais Ngana Fana Poto, Ngana Zara sportif, de toutes les façons, je suis au niveau. Bon, bateau, Abinga, le Funamboka, Waibi. Mais le Kambo, tout le monde, c'est le Awa, vraiment, et ça, il se passe. Parce que Ndinga Moko, que nous, Bamboka, mi Baleona, jamais, enfin, même ceux qui. Mais allez-y réfléchir quand même vraiment. Bon, moi c'est William Maurice, hein, Willy Pena, c'est bien moi. Mais franchement, comme Toto, il va vraiment que non, ma cabessam n'a pas de. Donc je ne sais pas ce que c'est passé, cela est connaté. Mais de toute façon, avant que Bozo Moutou, tout ça, le pays a droit de l'homme. Parce que tout ça, Mikolo Bazo, la télévision, droit de l'homme, la Congo, droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme, Zanini. La liberté d'un être humain est inviolable. Ce qui est ça, c'est que je suis un homme et tout le l'État. Il y a des gens qui ont dit que c'est un peu de temps. Qui dit Brazzaville a changé mes arabes. Tant que mon teke a zolo, je suis à Brazzaville, changé mes arabes. Tant que mon Congo a zolo, il n'y a pas un changement. Donc finalement, je pense mieux que la minute de tout ça, pour ça, la polémique. Tu as dit que tu as la kimia. Tu as posté que déjà, tu as l'Est à Congo démocratique. Le problème est que les amis touchent les Congolais tout. Ils ont les Congolais en Gambou. Ils ont la bise sur la porte de la Simabande. Il y a Congo démocratique. Donc, les lots. Ouais. Donc, les lots, la minute, tout le monde a été que nos binobos sont en Gambou. Enfin, moi, je ne sais pas en côté. Parce que 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 je ne sais pas en côté. Donc, finalement, on ne sait pas comment on va faire avec vous. Mais les Cambois, on a beau le sur le langage entre papa Sassou, papa Kabila, il y a ma famille. Il y a un docteur qui a dit que je suis un peu plus grand. Mais je ne sais pas si je suis un peu plus. Bon, mais tout ce qui est là, tout ce prochain. Mais vraiment, nous ici, nous avons bientôt être d'accord. Tel que moi, je ne suis pas content. Donc voilà. Merci beaucoup. Mais vraiment, bozala, kibomoto. Ma bengoni, il va sali. Merci. De toute façon, on a aussi. Ah ouais, salamaki na kin, non? Parce que c'est un peu cool, va virer que bango, bango, bango. Donc, bozala, la baninga, va sali na kisasa. Bon, mais merci, à très bientôt. Au revoir. Donc, Brazza Paris Info en partenariat avec RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Donc, micro trottoir et tamboli Paris Mobimba, de Bandak Mosalo depuis 9h. Là, il est pratiquement minuit. De Gosu qui sa émission, Nabiso Lelo Arbo et tout ça, quelque part, en a banlieue à Paris. Bon. Donc, vie, il y a différents Congolais à Brazzaville qui sont pour ou contre l'opération. On a expulsé Bandak Mosalo RD et à Congo démocratique. Nakin, Bruga Bavi, Nabangon et Walobi. Donc, après. De lundi, Togono Luka, chargé de communication ambassade à Congo, Brazzaville, à Paris, ce qu'a expliqué Bissot, ou encore autorité, Moussousou, comme Togo autorité, Bazala et Bélé, d'après sa Bissot, bah raison en Akuna, il y a opération en Akuna. Pour nous recevoir cette mission à Bissot, donc on remercie toujours Bato Oyo Basunga Bissot, Bato Oyo Bazala Rana Bissot, donc on commence par le grand prêtre César Ngadi, donc vraiment merci pour la confiance que au PC Bissot, Yozali seul. Patron de presse à Wanapoto, où il y a un correspondant un peu partout. Surtout, tu es à Brazzaville. Tu es le seul de Kinshasa. Wanapoto à Brazza, un peu partout dans le monde, en Ukraine, partout. Dani Tsunami Pirceur Nangai, je te remercie. Pichu Mangaya, la diva, la reine de la beauté, merci. Grâce Mbizi, une nouvelle recrue, Nabisope, donc Kitoko Yatro. On est ensemble, on est ensemble. Donc, Wanapoto, tu es à Rana Bango, Moussala, oui, oui. Mais de l'autre côté, Nabo Sanité, JV Kenas le puissant, 4 roues motrices. Sosta Balada, Nabossa Niote, Jérémy Clotaire, le cardiologue canadien, Nabossa Nakayo, jamais, Yosa Penzavango Motema, l'extraterrestre Anasima Kamerape, merci à trop. Madame Lavagna, Yopé Napesso Pinala souhaite bonne guérison à trop. Batoto Balingarangai, Naba Oyo Bainakangai. Donc, ce que Yinarangai Pé Napesso Mbote, ce que Lingarangai Pé Napesso Mbote. Donc, Tobossa Nipete, pire Moutunabiso, le soutien de la première heure. Donc le coup la baladure, donc baladure, moto il a soutenu Nicolas Sarkozy la première heure en gaz la candidat sous l'outan et sous les mains de la conscience humaine. Donc Yewana Penza, donc petit-fils Penza et Macky Sall, descendant valable il y a Senghor, moto Penza Simbara Nzungu,
moto ya tchara nzungu simba nzungu ya masola braza Paris info Sultan et Suleiman papa Abi donc yo to bossa na ro jamais yo koza nga motema ben écoute passez une très bonne soirée côté Botel Emisso boy braza Paris info RD Congo info tout le monde est d'accord planétairement ti na ba planète mousou soit ba valider braza Paris info on vous remercie infiniment. Bonjour bandeko ba congolais ba congolaise. Naza awa pona koloba na bino solution asika pona kobenga Congo Kinshasa 5 euros pona 34 minutes et envers le Zaïre. Vous avez une carte prépayée, il y a 5 euros, 10 euros disponibles et pas en Abisso. 84 rue du Poteau, na porte de Clignancourt. Ou et pas distributeur Bissoussou, Canan Exo, na Château Rouge, 42 rue du Deauville. Pour na boyo balingi, ba koma distributeur pour na biso, bokoko contacter biso na site internet www.nosim.fr ou encore 01 76 46 03 82. Merci Bandeko, Tozo de Labino. Donc solution à Nosim Yangoyo, 5 euros au Bengi Kongo Nengolingi. Pour na Nosim, tout le monde est d'accord. Bande kobalandi na site na biso ya RD Congo, vraiment merci beaucoup, vraiment brutala tozana mama na biso Marie Claire, vraiment mama Marie Claire aye na eloko ya sika na kati rdcongoinfo.com o balobi tout le monde est d'accord, vraiment mama Marie Claire sala moi pib batala po très bientôt bolanda mama Marie Claire na site na biso o bazali na biti de rotala tous ensemble dans la cuisine émission na bino ya sika na site na biso rdcongoinfo.com babi RD Congo et yaraka na biloko ya sika na kati lelo mama Marie Claire aye ko lakisa bino bilo o ba biloko ya kolamba ko basi musu ba ebolamba te lelo mama Marie Claire aye na site na biso alakisa biso ba o nous batala na biso partout dans le monde na site na biso rdcongoinfo.com. Maman Marie-Claire, loba moi liloba na émission na yo oye ko banda très très bientôt sur notre site rdcongoinfo.com. Mama Dani, merci mingi na nego pesinga micro. Ya solo émission asika eza ko banda très bientôt na rdcongo.com. Ya makusa ya kolamba. Biso ba mama, il faut to kolamba eza important na vie ya mama na bana na biso. Donc biloko na biso mboka ndenge to lambaka to kolakisango ba fumbwa ba kayabu ba madesu ba mbika kolamba eza mutu na mutaza na touche na ye et ndenge koloba te so biso to sali émission so na sali émission ça veut dire na l'équipe bato na kolamba te kolamba eza mutu na mutu na touche na ye donc émission ya sika oyo eye na kati ya site na bino RD Congo.info.com. Yeb sa ba tusuko emission ngo kombo nango nini ba tuba ba yeba déjà ba tsango na mutuna bango emission na biso ya sika. Kombo nango tous ensemble dans la cuisine. Ya tante Marie Claire. Tous ensemble dans la cuisine. Donc elingolo bate elingolo bake kaka ngamoko na bandola mateto bandola ba biso news. Oh news za na idée ya komema. Oh ya kotia plus aye a présenter biso ba plat a présenter biso ndenge na ye biso peto ko lak sa ba internaute donc émission vraiment bo landango très bientôt les émissions moko malamu et ko za bien pona biso nyo soto. OK d'accord, merci maman Claire. Donc maman Marie Claire donc tous ensemble dans la cuisine très bientôt sur votre site rdcongoinfo.com balobi tout le monde est d'accord. Voilà. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. RD Congo Info. RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Moi, je suis d'accord.
c'est du cap la merveille. RD Congo, RD Info, toujours Kléboa. Tout le monde d'accord, net in a film.